imaginez-vous rejoindre les forces de l'armée française avec une mission cruciale. Capturer toutes les bases russes présentes sur une île stratégique afin de la libérer. C'est ce que nous propose ce serveur avec cette simulation réaliste où nous allons endosser le rôle de l'armée française. Tout ça en suivant les ordres de l'état-major afin de réaliser au mieux notre mission. Tu vois les tentes médicales? Ouais. Bah j'y vais là. Moi j'y vais aux tentes médicales. Je vais sauter là, je sais pas si tu vois. Je suis derrière toi, Ah ok, ah bah on était. Ouais, t'étais à côté. Vas-y, montre-moi ce qu'il faut faire. C'est Norad ça ici? Oui, il est en train de se staff. Du coup, tu peux aller, ouais, dans la. Attends, viens ici, je peux nous tous les deux sur la. Ok. T'ouvres l'arsenal. Ok. Et là tu vas prendre. Attends, je me mets aussi. Bon là c'est simple, on vient d'apparaître dans la base principale. On doit donc s'équiper et prendre des choses dont on pourrait avoir besoin pendant notre mission. Une fois cela fait, il n'y a plus qu'à aller se placer et attendre d'être affecté à une mission par le commandement. C'est où? Carré d'affectation, il est où? Là où je suis, là où je saute là. Ok, pareil pour la mission. Et là-bas, faut qu'on attende de... Oui chef. En gros je voulais que tu prennes ça, Sean, regarde. Pareil pour la mission. Je veux que tu prennes ça pour moi. Mais non. Putain, j'ai un bon petit flow là, mon personnage. Bon, en vrai, basique, mais vas-y. J'ai un patch que d'un côté, frère. Sans ma veste. Je regarde ce que. Ouais, vous avez. En vrai, vous avez le principal, vous avez JVN, Strow. Putain, j'ai un patch que d'un côté sur ma veste. C'est pas bien. Ouais, Sean, t'es le mec de Taze. Mais ouais, hier, la mission s'est finie bizarrement. Genre, en gros, on dit on a fini à deux. Parce que les autres. Si, si, je t'entends. Ça a la forme. Ouais, super. Merci. Bah écoute, merci, ça me fait bien. Sean. Ouais. Sean et It's Me. Est-ce que vous pouvez enfin les trois du coup, les trois qui ont des visions, merci de les mettre dans vos casques. Je suis capable de le faire, je vais pas te mettre des nouveaux. Dans les sacs, dans les sacs. Dans les sacs. Ouais, dans les sacs. Ok. Je vous remercie. Du coup, les deux collègues, c'est qui? C'est It's Me et Norad, c'est ça? Et nous, on est tous les trois ensemble, nous. On aurait bien voulu être ensemble, ouais. Ah ouais, sauf que malheureusement, je vais pouvoir juste mettre deux alphas, donc va falloir vous décider les gars. Deux alphas, un Charlie, et un Delta. Moi je veux mettre Delta. Bah au pire les gars... Bah besoin Delta, si tu souhaites. Donc du coup, les gars, il va falloir... On se met deux nous là. Deux alphas. Bah, au pire ils se mettent ensemble Nora, et Nora moi des je pars Charlie. C'est Charlie que je dois aller moi. Ouais, Afi, Charlie. Oh, je suis tellement triste. Du coup, vous les gars, Alpha, c'est vert. Ok, reçu. Voilà. Sean, nickel. Ok. Et bah, du coup, je vous laisse aller dans le carré de déploiement et vous allez être déployé d'ici peu. Ça marche. Ça marche, merci. Bonne game à vous, les gars. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Du coup, oui, je dois aller où, moi? Dans le carré de déploiement qui est au niveau c'est où le carré, Etienne? Je te remercie.
Celle-là, venez les gars, c'est à la droite de l'unité. Ok, bon, oui, c'est marqué sur le panneau alpha, là-bas. Vous, c'est Mo, c'est attends, ça je vais voir pour vous. Vous êtes quoi? Vous êtes vert? Alpha, ouais. Ouais, vous allez à Mo, c'est ça? Alors, peut-être, mais on est alpha. On a pas encore le briefing des missions, mais probablement. 32, vous êtes 32, vous. Putain, je suis solo, j'ai 32. C'est une solde militaire, j'y comprends rien, moi. Ils me sortent des trucs là, frère. Ils sont c'est pas des militaires aussi. Là, on va avoir un vrai militaire qui juge, donc attention, les gars. Ah, y en a quelques-uns, mais ouais, pas tous, hein, la plupart. Je vais remettre mon patch, frère. Sergent-chef, frère. Je suis pas un bigos. Faut lâcher des phrases, Etienne, en chef. Oui, chef. Pas au déploiement, chef. Oui, chef. Ça a l'air un peu plus clair, Rico. Jamais je ferais ça, frère. C'est moi le chef. Mais oui, en plus, toi, tu peux. Moi, je m'en fous, je me troll. Ça n'implique rien pour moi. Moi j'ai mon ego là qui parle. Ah, c'est sûr que toi en tant que vrai militaire ça va te faire un peu particulier. En plus, apparemment, moi je suis pas prêt de partir. Hein, genre. Bah, squad, voilà quoi. C'est vraiment comme ça la guerre, Etienne, dans la vraie vie? C'est si long que ça? Bah. Bof. J'espère qu'on est plus organisé que ça l'armée française parce que ça fait peur, hein. Allez, monsieur, on s'échauffe là. Burpees. C'est que t'as l'animation Burpees. Etienne! Ah, regarde, j'ai fait. Mouvement, burpee. Et envoie Etienne derrière toi! Tu sais comment faire tes mouvements ou pas? Petit 2. Comment je m'arrête? Comment je m'arrête? Et burpee. Non, droit, tu fais mouvement, burpee. Et là, tu vas l'avoir. Tes burpees. Voilà. Oh là, ça c'est beau ça! Ça peut être de sport. En plus, en même temps, c'est ça le pire. Ouais. Ah non, une petite seconde de décalage, vraiment un micro-seconde. Je vais te garder avec moi, bon, je m'arrête, frère. Qui droit. Là, je nous sens chaud, là. C'est chaud, t'as lâché une danse, gros, il t'en a me parlé, j'étais en train de rigoler, mec, je pouvais pas. Mais surtout, la danse, elle était bien énervée. J'étais là, il me parlait, genre, de très bon, sereine. Non, mais regarde la danse, comme l'année dernière. Attends, je retourne, je vois un mec qui tape sa mère. Regarde comment le perso, il vrille, regarde. Il est dégénéré, le perso. C'est une danse Fortnite, hein, vraiment. Regarde la danse du robot. Putain, attends. Ouais. Ils sont ravagés les persos. La Macarena. J'en peux plus, hein. Ça, c'est vraiment un truc Fortnite, hein, bonheur. Ah, c'est quoi ça? Mais mec. C'est en fait, genre. Ah, j'en peux plus, mec. Oh, le perso. Il y a un ravage de rad. On vient de faire une de ces danses tous les deux, c'est incroyable. Allô. Squad lead, chercheur. Moi, je sais pas si je vais repartir, squad lead. Ah, j'en peux plus. Il fait la danse des caméras, ça m'est clairement. Les mecs ravagés sur le champ de bataille, ils doivent se dire quoi, les autres? Je chie. Tu pourras me donner ta position, Kermit. Oh non, mec. Oh, c'est trop. Oui, regarde, y'a un mec à la barrière là-bas, c'est un vrai gars ou c'est un bot? Ça va. Il dit pas qu'il y a un vrai mec, genre qui. Il vous dit pas oui, qu'il y a un mec qui fait des checkpoints et tout. Non, mais c'est pas possible. Hier, je suis rentré d'opération et bah, le mec, il a check nos papiers et tout. Non, mais. Mais là, c'est un vrai métier, c'est pas possible. Oui, oui. Non, mais oui. Lui, il passe la journée là-bas en gros. L'autre, vraiment, je le vois quand il est là-bas, il attend vraiment comme un vrai mec. Ouais, ouais. Chaque véhicule qui passe ou qui entre, etc. Je sais que dans la vraie vie c'est chiant de faire ça, gros. Ouais, bah, ouais. C'est pour déployer qui et où? Ah, oui, je vois, ok. C'est bon, je vois l'airport. Ouais, vas-y, je vais ouvrir le portail. Est-ce que tu vois les points verts? Alors, vas-y, je te dirai quand tu pourras tourner à l'autre chemin. Qui nous l'a donné, on doit aller en soutien au véhicule. Alors, attendez avant de monter. C'est qui a monté, c'est nous? Ouais, vas-y, Franck, est utilisé. Vas-y. Je sais pas, je pense que t'es en train de faire le plein. Oh, il fait le plein, mec. Oh là là, gros. Oh, y'a un convoi qui revient. Un mort. C'est du sans-plomb, ça, ou c'est du diesel? Ok, nous on fait relais, c'est ça? Non, négatif. On fait Saint-Philippe et Dakota. Aux messieurs de la Alpha, je vous invite à monter à bord du camion ici présent. Ça marche. Vous avez vos ordres de mission, j'espère. La fille, on va sur main. La fille, qui est votre squad leader?
pour la merde avec toi. Déco le second devant moi là. Ah, okay, c'est moi. D'accord. La Charlie, je sais pas. En vrai, il reste de la place parce que la première, il y a encore des mecs là qui sont carrés dans le débordement et qui vont changer. Comme info, on a pas de points en principe. T'as raison, je vais me mettre au fond, c'est beaucoup plus sécuritaire. Ah, ouais, vous allez où vous? Moi, je vais à Saint-Philippe. Pour la sécurité, Norad. Au niveau de l'airport. On a moins de chances de se prendre des balles. Sean, tu fais une pause Daisy? Non, je t'ai juste ça. Bon, comme vous pouvez le voir, ça bouge énormément sur la base. Il y a des escouades qui rentrent de mission ou des groupes qui, comme nous, allons être déployés en mission. On peut aussi voir une petite partie de la logistique sur la base avec des escouades qui ont pour mission de transporter des troupes et de l'équipement. Pour notre part, on a eu nos instructions. On va nous emmener en camion sur un point de ralliement où on va retrouver le reste de notre escouade qui sort de mission. Messieurs, bonne route et soldats, faites attention à vous sur le champ de bataille. Merci. Merci beaucoup. Mais de rien. Bon courage ici. Bon courage pour le portail. Merci portier. Que j'ai l'arrière. Au gars de la chambre. Interdiction de descendre avant mon top. Et celle de CHR, pour information, départ du camion, ils vont m'arrêter du coup sur Connecticut. Je te reprends contact une fois sur place, calme. Y'a du monde qui arrive là-bas. Les gars, c'est moi, tirez pas dans le Mirador. Y'a du verre qui arrive, regarde tous les verres, ils arrivent. Ok, je tire Mirador, Feu, tirez à vue. Comment ils arrivent? Oh, on est nombreux là. Il en arrive encore. Ils sont combien gros cette squad? Comptez-vous les gars, c'est bon, tout le monde est là. Merci à 1. Ouais, non, mais c'est bon, on va pas faire comme ça. Il est côté 3 avec 2. R4, fin de colonne arrivée. R4. Vous allez voir dans l'air. Il y a des mines. Il y a des mines là ici. Des containers, s'il vous plaît, pour un scone. C'est là, les gars. Allez, les gars, en colonne par 1. Équipe Alpha, vous pouvez me faire une belle ligne, s'il vous plaît. C'est le meilleur, il répondait pas à ce moment-là. Et puis après, ouais, là, à côté de Philadelphie. C'est ça, colonne par 1 ouais, et là, au bout de la route, pareil, j'ai quitté ma position de défense. Hein. Ouais, mais là, la zone ici, c'est normal. C'est qui là-bas? Tu peux venir sur nous? Ça va être encore notre. On a complété la section Alpha. Notre mission première était la prise de Main. Main, je vois sur carte qu'il est en cours d'être pris. Est-ce qu'on a un nouvel objectif? Parlez. Quoi, il prend une photo ou quoi? On est en attente sur Connecticut, en attente de prochain objectif. Il fait quoi? Il allume du feu, frère? Il tape des silex? Est-ce que Alpha est rentré dans Saint-Philippe là tout à l'heure? Il allume une cigarette au silex. Bah super. Dis-lui qu'on te fait chier. Dis-le si on te dérange. À ce moment-là, ça doit faire bien au moins 45 minutes qu'on attend. Il faut savoir qu'au moment où on s'est connecté sur le serveur, on était un peu en fin de scénario. Les forces de l'armée française avaient capturé quasiment toute la map et il n'y avait plus beaucoup d'ennemis. En plus de tout ça, on n'était pas la seule escouade à attendre notre mission, il y a d'autres escouades qui attendaient avec nous. Mais heureusement pour nous, l'état-major nous a trouvé une petite mission, il restait un secteur qui n'avait pas été nettoyé, et donc c'est notre escouade qui a été chargée de le faire. Bah, équipe Alpha, vous me suivez, allez, azimut, nord-est. Vas-y, les gars, allez, 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 attends, ils sont où les autres? Je pars sur 30 minutes, on va sur quoi du coup? T'inquiète. Bah, on va sur quelque chose, t'inquiète. On y va. Nous, on sait pas, mais on y va. En gros, là, on monte plein nord. Vas-y, les gars, on va chercher quoi, plein nord? Allez, la décharge. On va chercher le bonheur.
Je sens que je vais mourir. Non. Pas même pas. Allez, petit footing cohésion là. Dis-moi qu'il y a une brèche par là. Je pense qu'il y a une brèche ici. On se suit, les gars. Ok, stoppez-vous vite fait, halt. Halt. Il y a un véhicule, non? Ok, on prend le chemin. Il y a. Alpha. Ah, il y a un camion là. 15. Je suis en train de progresser vers Houston pour prendre le premier point. Allez, équipe Alpha. Ouais. J'ai peur qu'il y ait une mine gros et que ça se termine. Ouais, je vais laisser passer un peu devant. Camion russe, s'il vous plaît. C'est la carte. Je m'en occupe. Ok, merci. Allez, on y va. Ah, oh, mais ça nous fait bouger au moins depuis 45 minutes, là on branle rien, c'est bon. Deux colonnes, une à gauche et une à droite, s'il vous plaît. Faites gaffe s'il n'y a pas de mine. Donc, juste un, deux. Je suis à droite, moi. Je suis à gauche. Je rentre. On les voit les mines ou pas? Je pense, ouais. Joue. C'est bon, clear. Ok, on est bientôt sur zone, hein, les gars. Faites gaffe, attention. Et droit devant, azimut nord, nord-ouest, nord-est, vous faites gaffe. On passe azimut est, les gars, on longe le grillage. Une belle colonne, s'il vous plaît, le long de la grille, dans les broussailles. Attendez, on a le TP qui est derrière. Oui, le TP, c'est normal. Il est toujours derrière, c'est normal. Le TP, il se détache du groupe. Je suis pas sûr qu'elle nous ait vu partir là. Si il nous a vu, t'inquiète. Je vois rien dans les broussailles. On y va, on le clear. On va dire qu'il n'y a pas de. De pack sur lui. Il y a un mec là devant. Non, où ça? Il y a pas un gars debout là, à gauche de la carcasse? Si, 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 il y a du monde. Comment, comment? Il y a du monde, je crois. À droite de la maison, derrière le grillage. Ennemi ou allié? On sait pas trop, debout, il a l'air d'avoir un gilet quand même. Les numéros, c'est ennemi, ouest, non, je sais pas, c'est quoi? Donc, des juste à droite de la maison derrière le grillage. Entre 300 et nord-ouest. Je tirais pas. C'est un ennemi, c'est un ennemi. Traité. Derrière la maison, ça tire encore, non? Putain, y'en a d'autres qui doivent être cachés, mec. Ouais. Traité. J'ai pas les azimuts non plus. Les gars, pas ça, j'ai les azimuts. Pars pas tout seul de toi devant. Comment vous avez les azimuts, les gars? En bas de ton écran. Ennemi, pax ennemi devant. Je sais pas l'afficher, moi, les azimuts. Les gars, une fois sur T. Traité. Attention, c'est de l'allié devant. Allez, on crie la maison. T'as une boussole, Sean? Ouais, c'est bon, mais en fait c'était. Et c'est comme c'est ma touche pour parler, bah ouais, je crois, faut que tu changes ta touche pour parler. J'en veux 2-3 qui gardent le portail et l'extérieur. Je suis au niveau du portail, moi, si tu veux. T'es où le portail? Putain, j'ai pas pris de silence. Juste après la maison. Maison clear. Maison clear. Je suis au niveau du portail, j'arrive au portail. Maison clear. Ouais. Ah, c'est clair. Wesh. Les gars, putain. Alpha pour état-major. Tu peux pas. Faut se poster genre correctement. Non, mais poster n'importe comment, mec. Le point au-dessus du Connecticut est clear, c'est bon. Les packs sont ennemis, sont tués. Et allié devant lui. Ok, bien reçu. Bon, mais les gars, ça a marché le Zub là. On retourne tous au camion. Allez, c'est parti au pas de course. Oh putain. Oh putain! Ah, c'est aberrant, ma gueule! Je suis plus rapide que vous, je suis plus rapide que vous! Ah, c'est trop, frère! Vous avez des JVN? Ouais. T'appuies sur N une fois! Ah ouais. Oh, c'est gris, moi! Ouais, moi, c'est vert! Sur PC.
Vous êtes sur clavier, Sean, t'es sur clavier. Ah non, c'est... Moi c'est bon, j'inquiète, c'est activé, c'est activé. On a activé, on a activé. Ouais, la luminosité, vous savez régler sur les GV. Ah non, on peut ? Shift molette. Oh là là, ouais. Incroyable, merci beaucoup. Oh mec, c'est une dinguerie. Ouais. Mec, c'est incroyable, hein, ça par contre. Bon, malheureusement, ça sera tout pour notre mission. À ce moment-là, il n'y avait plus aucune mission en cours. Toutes les escouades ont reçu l'ordre de rentrer sur base. Donc on est tous rentrés à la base principale, en camion. Une fois sur place, on a dû tous aller se ranger par escouade. On a eu le droit à un petit débrief. Et vous nous connaissez bien. Mais ce n'est pas la fin de notre aventure sur le serveur, puisque nous y sommes retournés quelques jours plus tard. Et cette fois-ci, je vais jouer en tireur de précision. Dans l'idée, je vais essayer de détacher une squad de Lévi pour qu'ils aillent sur la base militaire du Michigan. Vous, messieurs, vous serez déployés à la patte d'oie, au niveau de la patte d'oie entre Michigan et Austin, d'accord ? Michigan. Tu as un petit carré vert marqué sur carte, je vais mettre drop tout de suite. Elle est où, Austin ? Je peux aussi Michigan et Austin. Michigan, je l'ai, mais Austin, j'ai pas. Michigan, je l'ai, elle est là. Vous c'est là... Nantes, c'est ça. Oh, c'est en haut à gauche. Dessus, c'est marqué Austin, regarde, il y a des points verts. Ah, la patte d'eau. Dessus, c'est marqué Land. Non, c'est marqué Terrestre. Ouais, mais moi, je l'ai en anglais, désolé. Ah, si, c'est okay. Bon, c'est ça. Ouais, et voilà, c'est une petite croix dans un carré vert. Ok. Donc, pour vous, Echo Bravo, vous serez déployé ici, d'accord. Objectif pour vous. Aller au plus au sud possible. Alors faites attention à la zone de ravitaillement. C'est le cercle rouge, le petit rond rouge, d'accord ? Okay. Là, il y aura peut-être du personnel. Vous avez autorisation de traiter ici. Ce que vous faites, c'est que vous vous déployez tout le plus au sud possible. Idéalement, vous vous arrêterez au niveau de ce croisement-là. Je vous mets une enveloppe bleue. Ok. Ok. Je vois pas l'enveloppe bleue. Ah, non, si, terrestre. Je vais mettre autre chose, je vais mettre un cercle. Hop. Un en bas à gauche de Michigan, ça va apparaître normalement. Regarde ici. Ah, ouais. J'y arrive, oui. Tac, cercle ici. Une fois que vous êtes ici, les gars, l'objectif c'est d'attaquer avec une équipe que je désignerai la base militaire de Lévis, d'accord ? Donc, Echo Bravo, vous allez progresser ensemble jusqu'à ce point-là. Une fois que vous arrivez à ce cercle, vous rescindez en deux. Donc, Echo Bravo d'un côté. Idéalement, essayez de partir sur deux axes de par le sud, ok ? Comme ça, l'équipe qui arrivera de Georgia, il n'aura plus qu'à bifurquer en descendant. Enfin, ils vont attaquer du coup par le nord, d'accord ? Okay. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Si, oui. Si, c'est parfait. Vous mettez une intersquad en 33,5. 33,5 permet entre vous, squad leader, de mener vos opérations en étant synchronisé, en sachant où... Je sais pas comment marche la radio, par contre. Signalez bien votre présence. Pour les autres squads, d'accord. Je vais pas vous faire Fantôme, t'es bravo aussi. Vous êtes prééquipé, vous allez tout de suite en zone de déploiement, le camion vous attend. Oui, je viens d'arriver. Merci chef. Vous t'as été affecté chez nous. Qui a dit merci chez nous? Ah bah c'est pas à toi que je parlais. J'ai du coup la parole et la droppé sur la patte d'oie entre Austin et Georgia. Pas comme ça que tu vas évoluer dans l'armée. Il est arrivé à marquer carte. Bref, il est avec nous, on prend avec nous, vas-y, on dit rien. T'as raison. Bienvenue parmi nous. Parce que j'ai entendu le briefing aussi. Qu'est-ce que vous faites? T'inquiète, viens avec nous, ça va aller. On a reçu les ordres. Du coup, poker, je suis en attente. Bon, bah, on va au niveau hélico, si vous êtes équipé là. Ouais, tout le monde a bien rejoint la squad P, enfin, pour ceux qui sont sur ordi là, et vous rejoignez Bravo. Vous appuyez sur P, vous rejoignez Bravo, les gars. La cagoule, je crois que tu l'as pas fait, Fantôme non plus. Bah, si c'est bon, Bravo, c'est bon. Bah, on te voit pas dedans. À l'hélico alors. Pas de soucis, Armand. Moi, je nous vois que 4 dans Bravo là. Les gars, vous écoutez pas quand je donne les... Écoutez, soyez attentifs. Déploiement terrestre. Zone de déploiement, les gars, en camion. D'accord. Merci, messieurs. Reçu. C'est bon, on s'entend sur la radio, là ? Ouais, test radio. C'est où les camions ? Pas du tout. Bah si. C'est bon. C'est bon, j'en étais sûr. On va la gagner cette guerre, les gars. Bon, bravo, on est les meilleurs, nous. Franchement, Bah, évidemment qu'on est les meilleurs. Echo, vous êtes combien ? Pour Echo, on sera 5. Ok, bravo. Ou 6, nous, on est combien ?
Vous comptez vous déployer où? Si on peut savoir. Pareil. Oui, ah oui, une pas patte d'oie en dessous de... Attends, je vais te donner la position exacte. On a quoi dans la squad? Ouais. Genre de précision, on a un Norwegian Michigan. C'est Akira. Ça, t'as déjà un Akira. Oui, c'est Akira. Tu peux laisser là, celui-là, ok, non, juste savoir qui c'était mon homologue. Ton... Quoi? Mon homologue. Ah, pas du tout. tu veux me parler? Tu parles à Juskil. Il est où, lui? Il s'est encore barré. C'est toi, le SN? Ah. Vous pouvez monter dans le camion, non, les amis. Moi, c'est moi, le chauffeur SM, arrive. Mais c'est lui, mon... Très bien. Bien. Merci beaucoup. Soyez sûr d'être tous là. C'est bien pris, Flo. Je suis au fond, moi. Même point de dépôt. Alors, exactement. Allez, serrez-vous, les copains. Il fera plus chaud si on est serré. Sur la droite de la route et toi tu restes à la gauche, on fait comme ça? Ouais on fait ça. Allez c'est parti. Allez venez les gars, nous on prend l'autre côté. Aussi. Bonne chance les gars. Bon courage. Bonne chance. Chance bonne. Faut que je reste un peu. Au milieu, moi. Je ferme la marche, ouais. Je vais rester un peu derrière, t'es où toi? Allez j'ouvre la marche. Du coup la cagoule, tu ouvres la marche c'est ça? Allez vas-y, okay. On te suit. Si possible le médic au milieu là. Moi je ferme. Attends. On est tous les deux derrière, c'est bien. De toute façon mon snipe... Ouais c'est pour ça. Pas pouvoir faire grand chose hein. Donc là faites vraiment gaffe aux mines. Entendu les gars, faites gaffe aux mines hein. Mec on est enfin sur le terrain. Mec on y est enfin. Imagine y'en a un qui pète sur une mine là. Je vais essayer de la place un peu devant. Pour ça ouais qu'il faut se passer un peu quand même. Même dans la vraie vie hein, c'est comme ça hein, qu'on fait. Souvent c'est 5 mètres un minimum entre chaque pax et puis Ah j'avoue que là je suis à peu près mais j'ai l'impression que j'avance plus vite que lui. Et il faudrait se mettre limite en... Pas vraiment en solo. Non. Pas, nous, là t'as un mec devant nous gros, aligné à nous avec une batteuse, on se fait plier. Bah oui. De notre position qu'on doit prendre et après on rejoint le point final. L'artillerie est pas disponible en ce moment pour info. D'accord, désolé. En ce moment, c'est pas disponible. Oh, je rigole, mais je kiffe leur accent pour de vrai. Vraiment, moi aussi, je les aime trop, frère. Je les aime trop, vraiment. C'est là qu'ils ont envie de lâcher. C'est la patte d'eau, elle est juste devant. Eh, justement. Bon, après, c'est pas grave, ils ont peut-être pas voulu prendre le risque. Les gars, regardez s'il y a pas des mines, hein. Ouais, normalement, les mines, c'est le mec qui est tout devant qui vérifie. Elles se voient bien, les mines? Ouais, normalement, tu les vois, ouais. C'est tout rond sur la route, tu peux pas les louper. Ok. On doit redescendre sur le point rouge, là, normalement, sur la carte. On doit, ouais. C'est ça. Ok, on court un peu, Etienne, je rattrape un peu l'écart parce qu'il trace. Ouais, je rattrape aussi. Ah, la map est stylée quand même, j'aime bien. L'ambiance et tout là. C'est fou. Sans si on lance gros et tout. Ouais, on entend la guerre pour une fois là au loin. Stop les gars, je suis juste un petit pancard, je trouve un truc. Ok, ça va être les maisons qui vont être juste après le tournant en face de nous en 195 là. Je regardais ce qu'il a, j'ai une bonne visu, mais là c'est pas mal là pour la route. Ok, reçu. À peu près tous les 100 mètres entre nous. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que nous on va rester de ce coin là, on est à gauche, on va tomber pile poil en face et on va garder
Un bisou sur les maisons. Bon les gars, on va clear la maison qui est juste en face là. Vous voyez là sur la carte. Oui. On doit clear celle-ci. Ok, donc on avance tranquillement. Donc on voit pas de suite le feu. Que si nécessité. Ok. On regarde pour l'instant, on y va tranquillement. Compris, chef. Allez, c'est parti, les gars. C'est bon, je le sens, t'as vu, il a pris pour la confiance. Allez, c'est parti. Tu lui as dit, ouais, chef, ça, bon, ça l'a motivé, gros. Ok, c'est bon. Ça l'a reboosté, mec. Visite sur l'ange, ok. Stop, stop, stop. On va se déployer en ligne. Ok. Vous mettez 3 mètres entre vous. Et on avance en ligne face à la grange. Allez, c'est parti, je prends le centre du dispositif. La cagoule part un peu plus à droite. Et on va avancer comme ça. Il y a une maison à droite. Tu viens à ma gauche, non? Tu vas où, toi? Yes, on arrive dessus, là. Allez, c'est parti, les gars, on avance. Maison à droite, déjà, maison à droite, c'est ci qu'on doit voir. Maison à droite, attention, 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 doucement, doucement. On avance encore. Allez, c'est parti. On avance sur cette maison. Norad, vas-y. Garde un œil sur la grange. Ouais. Je reste un peu entré, les gars, chaud sniper. SL Bravo, SL Echo, maison clear. T'es où toi? Grange à faire, là. Je suis au bord de la, votre maison, je suis venu. J'ai clear l'étage. Allez les gars, on avance sur la grange. C'est bien pris. C'est clair pour nous, là, maison et grange sur le point rouge. Donc, du coup, on va pouvoir commencer à aussi bouger vers le sud. C'est bien pris. On y va aussi. Du coup, les gars, on va pouvoir progresser vers le sud, là, pour aller vers le point bleu, là, que Poker nous avait mis. Donc, les co, eux, sont à droite de la route. Nous, on va rester sur la gauche. Et on va descendre comme ça jusqu'au point. On a reçu. Ça marche. En prix. Ok, qui est devant du coup là On reprend le même dispositif. Allez, c'est parti, ouais. Allez, allez, vas-y, tu peux suivre. Voilà, super. Oui, je la vois. Ouais, je la vois, je la vois. 240. Ouais, on va la faire, on va la faire. Tête de colonne, stop.
On va faire la maison, on va la clear. Il y a Echo qui reste en appui. Alors on avance dessus. Ok, les deux continuent à clear le rez-de-chaussée. Harley avec moi, on va faire le clear. Faites attention aux mines. Premier étage clear. On redescend. Toute la maison est clear du coup, rez-de-chaussée c'est bon? Clear, clear. Ouais c'est bon. Ok, pour nous la maison est clear. On peut reprendre la progression. En vrai en tout cas c'est réussi, c'est très immersif pour le coup. Et là vraiment on est vraiment sur des vraies missions réelles, tu vois, genre en mode tu clears chaque bat, tout ça tu pourrais, ça se bat pas dans tous les sens. Ça ressemble plus à ça dans la vraie vie quoi. Ouais bah, c'est ça ouais. Plus doucement s'il te plaît, tout devant. Putain, mais on aurait dû aller vers le rond là-bas, on n'a pas... ouais. On devait aller dans le rond bleu. Maison plein sud. Ok. Vas-y recolle, recolle. Ok nous on va... quel côté trop loin, là, faut qu'on part, on part sur la... Ah oui oui. Attends deux secondes. On n'a pas dépassé le pont et le rond. Hein. Si. Là... ouais, c'est tellement immersif, je ouais, 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 c'est un peu sur. Un peu avant sur la droite. Ah là, bravo. Exactement on va comme ça que ça. Pour que rejoindre ça notre objectif. Ouais, je viens de voir, ouais. Bah, on y va tout droit. Hein. Ouais, on attend le collègue et puis on décolle. Ok, ça marche, mais on vous attend. Bon, allez les gars, c'est parti. On commence à avancer sur le point. On avance en ligne. Merci. N'hésitez pas à prendre les espaces, hein, jouer un peu avec les arbres au cas où, on ne sait jamais. On progresse tranquillement, mais prenez qu'un peu de couverture. Oh là là, en mode spécial, là, mec, c'est incroyable. Je suis pas à l'aise pour push au snipe, je t'avoue que ça va lâcher un gros quickscope au cas où. Ça va être war take frérot, ça va partir en quickscope mon gars. Petite hâte, je regarde sur la carte. Ok, le croisement est sur notre gauche, donc c'est la patte d'oie qui est sur notre gauche, on doit aller là. Donc on reste à gauche de la route et on progresse dans cette direction. C'est moi qui passe devant du coup. On passe à la gauche de la route de gauche ou la route de droite? On doit juste attendre là pour l'instant, il y a la Echo qui va nous rejoindre et à partir de là on va avancer sur Michigan. Très bien. Reçu. En vrai, il faudrait que t'ailles dans la colline au-dessus là, dans les rochers. La cagoule, si tu peux vérifier surtout au niveau des rochers, c'est la personne qui arrive par là. Là au pire, moi et Sean, on va se placer en haut là, il y a TP. Et... ah, est-ce qu'on a un TP nous, c'est vrai ouais, on va se placer dans les rochers, je pense. Allez-y. On rencontre à la radio dès qu'on est là-bas. Là, mettez-vous là-haut et comme ça vous avez. Ouais, j'ai recollé les gars. Ok, t'es dessus, ok, je m'en viens. Ouais. Je trouve un bon spot là. Ouais, trouve un endroit qui te plaît là. Je pense qu'il faut aller en bout des rochers là-bas. Ça te plaît là? On est pas mal. Vas-y, je le rencontre. Je m'approche pas trop près du vide, peur de glisser. De SL, on est en position. Ok les gars, juste pour info, on a la Echo qui vont nous dépêcher les gars, parce que apparemment une activité d'Echo, il faut qu'ils reviennent, ils ont été déposés à Austin, donc ça prend un peu de temps, donc du coup on nous envoie des gars de la Echo et on va monter sur Michigan pour prendre des infos. Reçu. Reçu. TP, tu nous rejoins? On avance vers Michigan. Reçu, on arrive. TP, tu nous rejoins, c'est bon? Ouais, on arrive. Super. C'est bon, on prend le dispositif et on remonte. On va être à leur gauche, là, nos amis turquoise. Ça marche. Pas de nouvelles. C'est bon, ça. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais, c'est ça, ouais. Si bien on va arriver, il n'y aura plus personne. Bébé. Bah, dis donc, Harley, il va s'endormir. Tu t'endors? Ouais, je suis fatigué. Il est tard chez toi là?
Non, il y a de bonne heure, mais j'ai pas dormi. Merci, cette... bravo. C'est des quelle heure là? Il est 10h30. Ah oui! Vous les voyez nos copains turquoise là ou pas du tout là? Non, je les vois pas. Aucun visu. Ah, je les vois en sud. Visuel, ouais. Ok. Ils montent la colline en sud. En 195, ouais, sud 195. Ah oui, bien vu. Tous en train de se foutre sur leur point. On arrive dans le dur, les gars. Ouais, on est entraîné pour ça. Ouais. Allez, les gars, on va bientôt jouer de la gâchette. Et tu veux faire les joysticks, les joueurs manettes là. Il faudrait que je trouve une position sympa là pour sniper. Ok, les gars, stop, halt. C'est comme si on arrive bientôt à la base. TP, faudrait que tu rejoignes l'autre équipe pour avoir une bonne position, je crois. Ah oui, il aurait fallu qu'on se place dans les rochers à droite là-bas. Ouais, si tu peux te mettre à droite là dans les rochers pour un visu sur Michigan, ce serait top. Tu viens avec moi, Norad? Ouais, j'avais que au cas où. Bravo, ouais, quoi, c'est ok. C'est bien fait. Nous, on est arrivé sur le marqueur au sud de Michigan. Je vois du violet, brassard violet de l'autre côté. Ok, ouais. Ok, nous on a eu visuel sur la, l'équipe violette en face de l'autre côté. Regarde, j'ai du visu en 15, nord 15, je crois que c'est ennemi. Contact ennemi, je crois, en visu. Nord 15, ouais. Juste à côté du drapeau, à gauche du drapeau. Les gars, je crois que j'ai du contact dans la base. Ah oui, je vois, ouais. Tu as visu du coup sur des packs sur la base, c'est ça? J'ai du visu, oui. Visuel sur ennemi, ouais. Visuel sur plusieurs ennemis. Ok. Il est en train de spot à la jumelle? Ouais, ouais. Faudrait que je tire. Attends, on attend de voir. J'en vois 3 en gros. Je suis en position prêt à tirer. J'ai autorisation de tirer ou pas? Vas-y, feu. Ok. Bon, lequel? Un traité. Le traité. On avance. TP, tu restes en appui, hein, tu les alignes, vas-y. J'en ai déjà traité 3. Il y a beaucoup de monde au centre de la base. Bien joué. Allez, nous on avance en ligne. Chargeur. J'en ai eu 4. Okay. T'en as eu combien? Non, on a traité 5 packs au niveau du drapeau de la base. Allez les gars, putain, j'y crois pas quoi. On va devoir faire TB sur Georgia parce qu'il y a une cérémonie apparemment. Putain. Il m'a dit quoi? Comment ça? Apparemment, il y a une cérémonie. Bon, vous savez quoi, les gars? Videz quelques cartouches là, puis on y va. Comme ça, que ce soit pas venu pour rien. Hein. J'ai encore du monde derrière les camions, ils se relèvent en fait.
T'en vois toujours? Ouais, au niveau des silos là. Oh, ça sort, ça sort! Oh lui, une tête traitée. Ah oui, oui. Oh, ça sort de ouf! Ils viennent de décharger un camion, on a une dizaine de fax qui viennent de sortir. C'est ça que j'aime. Bien joué la roquette. Merci. J'en ai vu un tout au fond, de l'autre côté de la barre. Oui. Rien. Tout au fond derrière. Il y avait un mec allongé, là, il est parti sur la gauche. Genre à 50 mètres plus loin. Ok, je vois pas de là. Grenade. Il a pas fini sa phrase. J'avoue. J'espère qu'il est pas mort. Ça s'est pris une grosse tête. Attends, c'est quoi dans la maison en face là, la porte ouverte là, c'est un ennemi? Attends, je vois pas de là. Il y a l'ombre. Oui, c'est ennemi. Putain, j'ai utilisé deux chargeurs. J'en ai un de son. C'est qui a progressé au camion? C'est chez nous? Fais gaffe à toi, Cagoule, il reste peut-être du monde dans les bâtiments. Ouais, là où il va, il y avait un mec. Il y a 3 personnes dans les bâtiments. TP, rejoins-nous en bas. Malheureusement, les gars, mauvaise nouvelle. Ordre général, RTB sur Georgia. Il y a la Echo qui a voulu nous rejoindre là et, pour faire un assaut général. Et du coup, voilà, bah, retour. Retour. Vas-y, on arrive sur la base. Ok, ça marche. Tu vois où est-ce qu'on est ou pas? Sean, vous êtes rentrés là, on est rentrés. Vous êtes rentrés au niveau du mur cassé devant les camions? C'est là, là où il y a les camions là qui sont pétés, on est au niveau 7 entrée là, ouais. On arrive par le chemin. On va envoyer les roquettes. Ok. Et le pire c'est qu'on capture quoi. Vous êtes passés sur notre droite là les gars là. Ah vous êtes là? Ouais on est juste là. C'est qui capture là? Bah c'est lui. Les gars, vous êtes tous là? Oui. Bon, on va contourner par la gauche. Et on va remonter sur Georgia à pied, quoi. Ok. Reçu. La cagoule, tu reprends devant? Ouais. Vas-y, contourne bien à gauche, là. On reste ici. Hein. T'as deux chargeurs à me lâcher, Norad, ou pas? Ouais, tiens. Allez, on avance, les gars. Très bien, merci. Mouvement en 30, je sais pas si c'est allié. Bravo 2 pour être un major. On est présentement en train de capturer. C'est de l'allié en face en 30, c'est des verts. On est en. Bon, vas-y, continue sur la gauche là, on longe. On est présentement en train de capturer Michigan. Et là, tu vois, là on va reprendre après à droite. Voilà. Monsieur, on prend l'argent. Bravo à Echo, c'est bien pris. Nous on est à l'ouest du coup de Michigan et on monte aussi sur Georgia. On a Echo qui prend de l'autre côté du coup de Michigan. Ah c'est bon. Essayez de prendre large à Kaboul, on prend plus à gauche, on évite le fight. Bon, vous avez pu un peu vous éclater ou pas quand même? Bon toi TP oui. Ouais ça va, on s'est fait plaisir nous. Mais... ouais ça va. C'est en face de nous, c'est ça Georgia. Ouais, c'est trop temps. Prends notre drapeau là-bas. Ah ouais. Bien. Ah ça fait plaisir de voir ça. Oh il regarde comment il couvre le drapeau. Ouais. Oh, le drapeau. Le drapeau. La France. La France. Norad. Tous mes hommes.
négatif, on a chargé en bas. Ok, c'est parti. On embarque, encore on chargé embarque. Personne. Allez, là, bravo, on embarque. C'est parti, prenez le dernier camion, allez, comme ça, avec tous ensemble. Vous pouvez embarquer. D'accord. Alpha dans le deuxième coup. Ah, fait du bien de s'asseoir. On a bien couru là. Bon, bah comme vous avez vu, la base elle a été capturée et il n'y a plus d'ennemis sur zone. On a donc accompli notre mission et effectué les tâches que le commandement nous avait données. On a réussi à sécuriser les quelques maisons aux alentours et à la fin on est arrivé pour apporter du soutien sur l'attaque de la base militaire. Et comme vous avez peut-être entendu dans la radio, l'état-major a demandé à toutes les troupes de rentrer sur la base, puisqu'il y a une cérémonie de prévu. Bon là, je vais expliquer un peu rapidement ce qui s'est passé, parce que ça a duré presque 2 heures, c'était assez long, malgré que ça soit plutôt bien fait. Pour la cérémonie, on nous a demandé d'aller ranger tout notre équipement dans l'arsenal, on ne devait garder que notre t-shirt, notre pantalon et nos chaussures. On a dû se ranger en colonne et attendre que tout le monde soit prêt. Ensuite, on est tous montés dans des camions, et on a eu le droit à une petite balade bien sympathique jusqu'au lieu de la cérémonie. Une fois sur place et correctement installé, on a eu le droit à un discours du commandant. Il a parlé des projets à venir sur le serveur et effectué quelques remerciements. Puis ensuite de cela, il y a eu une remise de grade qui nous a beaucoup amusé. Franky, Katakuri, Little Evil, Pingu, Trafidello, ça pue. Guardia. Je sais pas pourquoi ça fait juste rire. Ils disent des pseudos. Game Master présent sur le Multim. Roland Culé. Ça fait mal, toujours mal de dire ce pseudo, même si j'apprécie le joueur. Ça me fait dire une insulte indirectement. Waste Toxic. Félicitations, Hunter. Félicitations, les déjantés. Et pour finir toute bonne cérémonie, ça s'est terminé sur quelques coups de canon et un feu d'artifice. On célèbre. Bravo les gars, bravo. Qui monte sur l'estrade et on va danser, mec, viens. Viens, on va sur l'estrade, viens, on va sur l'estrade. Non. Ah, je suis sur la table. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Regarde. Je ne respecte pas. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous pour notre part, on a vraiment kiffé. Je pense qu'à ce jour, c'est l'une des meilleures expériences de simulation que j'ai pu vivre. C'était vraiment réaliste et très immersif. La communauté est vraiment très impliquée et le staff fournit un travail formidable. Il faut savoir que quand on va jouer sur un serveur comme ça, le but c'est pas de se fight dans tous les sens, c'est pas de combattre comme si on était sur un simple jeu multijoueur.
On vient là pour avoir une expérience réaliste, pour avoir des belles communications, des coordinations entre les différentes escouades, de la logistique et tout ce que vous avez un petit peu pu voir. Ça reste un jeu vidéo, donc tout ne peut pas être parfait, mais au final, on reste quand même très très proche de ce que pourrait être ce genre de mission dans la vraie vie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.